Bonjour à tous, ici Mélilotte, et bon retour dans Inside. Précédemment, nous avons survécu à des ondes de choc, nous avons été poursuivis par une sirène, et nous sommes morts noyés. Suite à quoi, nous avons gagné le pouvoir de ne plus avoir besoin de respirer lorsque nous sommes sous l'eau. Donc, on continue. Des corps déformés, attachés au fond de l'eau. Et ce qu'on entend, c'est comme l'onde de choc. On l'entend de loin, on sait pas ce que c'est, et on se rapproche. C'est ça qui fait du bruit. C'est juste une machine. Ouais, ce sont des bouts de cadavres. Et là, si j'étais un petit peu plus grand, je me ferais déchiqueter aussi. Ça, c'est un piège aussi. La lumière va trop vite pour... dans le sens. Si j'y étais allé en premier, je serais mort. Parce qu'elle s'arrête que quelques secondes ici, même pas. Moins d'une seconde. Et qu'elle va jusqu'au bout de l'autre côté, donc j'aurais été coincé. Presque. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je vais attendre? Trop dangereux. Surtout si je me trompe de bouton. Tout est inversé, l'eau est en l'air, au-dessus de... Aïe!
Oups. Voilà. Non mais où? Merci. Qu'est-ce que c'est bien de ne plus avoir besoin de reprendre de l'air? Donc je disais de l'eau inversée. Et c'est des corps mal formés, pleins d'asticots. Je sais pas ce que c'est, mais je l'enlève quand même. Il me manque quelque chose. Une cage pleine de gens. Et ils sont tous habillés en noir. Comme les gardes du début, ils sont tous en... ne pas bouger. On va attendre qu'il soit parti. Il se passe des choses bizarres dans ce jeu, vraiment. Et là, il n'y a aucun son. Mais la raison, c'est parce qu'on est derrière une vitre. Comme les gens qui sont en train de filmer cette expérience. Alors ici, il faut que je place la boîte que je viens de rapporter. Par là. Puis il faut que je remonte l'eau suffisamment haute pour que la porte s'ouvre. Bon, d'abord, il faut que je fasse descendre la boîte. Hop.
boîte va me servir à monter. S'il veut bien. Labo numéro 4, peut-être. Heureusement qu'il regarde pas en l'air. Et ils me suivent. Ils me suivent toujours. Comme les poissons. Et comme quand j'avais mon casque. Ils vont bien. Ils vont bien. Et cette image au fond là, le bâtiment à droite avec les deux câbles, il ressemble à celui qu'il y avait dans l'épisode avec le sous-marin. Les gars. Du coup, je vais arrêter l'épisode là pendant qu'il se passe pas grand chose. C'était tout pour cette partie de Inside. Je vous dis donc à bientôt.